Bonjour à tous et à toutes, je suis Lucie, bienvenue pour la suite de Apollo Justice Ace Attorney. La dernière fois, petite demi-heure sur le dernier procès de Phoenix Wright, la première partie, où, rapidement, j'enregistrais hier pour moi, mais je suis sûr d'avoir tout oublié, Melchior Grimoire a été tué dans un hôpital. Il se trouve que le suspect est Zachary Grimoire, enfin Enigmar comme il s'appelle de son vrai nom. Et a priori, il le sait, c'est impossible que je sois accusé parce que ça n'est pas possible. Et il s'avère qu'en effet, il y a quelques petits problèmes. Mais notre cher Conrad Gavin, 7 ans en arrière, qui était déjà un jeune effronté et un superbe leader hein, des Gavinors, nous dit que mon premier témoin détective n'était que le début, mon deuxième témoin sera décisif, et nous allons en apprendre un peu plus sur cette affaire qui m'intrigue de plus en plus, et j'espère toujours avoir une séquence avec les verrous psychés, vraiment. Ah merci, donc voici monsieur Grimoire, Zachary Grimoire. Oh, le nombre de fois où on m'a dit ça, oh, si vous saviez. Ah bon? On parle de toi quand même. C'est un peu ton affaire. Alors, dis-moi tout. Ah oui, c'est l'éclair aussi qui vient sur mon chapeau. Nom de Dieu, mais où est la gamine? Bah oui. Il avait une tumeur au cerveau. Il a blessé son mentor. Je suis en train de supputer, mais comme pas possible. Ah bah oui, écoute, si tu me le dis, hein. Oui. Ah! En effet, cela change tout. Mais ça change la donne. Ça change tout. Oui, en effet, on sait. Il y avait des machinations. Oh, ça me plaît de plus en plus. Ok. Ok. L'Estrie. D'accord. Eh ben, c'était... D'accord, ok. Mais dans ce cas, qui a tiré sur monsieur Grimoire? Ah. Ah. Hein? C'était un Franck? Bah oui. Ah. Et on voit bien le petit trou sur la peluche. Et il n'était pas contre ça.
Oui, c'est moi. En avant la musique, t'as compris la blague. Ah, y a des choses qui se disent, ce secret-là, il me titille. Oh. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup. C'est pas vrai. Ah, mais je suis Serotting. Que ça la quoi ce point l'air maudit écrivain. Ah, le témoin. Alors là, le témoin. Je ne sais pas. J'en sais absolument rien. Ça se trouve, c'est un mec de l'affaire actuelle. Et alors là, ce serait vraiment tiré par les cheveux. Ah bon? Virgile. Oh, je suis. Oh, qu'est-ce qu'il est jeune! Oh, qu'est-ce qu'il est jeune, cet homme! Ok, magicien, oui, et donc. Eh ben, c'est que oui, d'accord. Le destin. Magnifique effet de tourbillon. Eh, pas faux. D'accord. C'est pas vrai. Une lettre. Comment ça, la même? Ou de derrière, par contre, on dirait une magical girl. Alors. Ah bah non. Ah bah non. Y a faute. C'est peu, à peu de choses près, c'est la même chose, mais deux trois détails qui diffèrent. Bah, pas qu'un peu. Oui. Ok. D'accord. Allons-y, amusons-nous avec Monsieur Virgile. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Ah bah, sûrement. Yeah. D'accord, eh bien, allons-y. Alors, ok, donc 23h20. D'accord. Ouais. Quoi? Il y a un truc que j'ai pas bien compris. Non! Pas du tout! Même absolument pas! Alors, on dit oui, c'est lui, mais peut-être que. Il y a un twist. Et là, un twist. Alors. Alors, non, oui, ça, je m'en fiche. Ça! J'ai posé sur le front du clown. C'est-à-dire.
Oui. J'aimerais savoir le nombre de pistolets qu'il y avait sur la table. Elle est facile. Donc, un pistolet que j'avais tiré et que j'avais pris le pistolet. Il y avait deux pistolets, donc ça au départ. Il a récupéré donc un pistolet. Oui. Ah bah oui. Oh mais enfin, c'est extrêmement important. Oui, fait du tourbillon. Ah bah oui. Alors justement, à ce propos. Voilà. Le pistolet. Nous sommes d'accord que... Il y a un problème. Objection ! Il y a un problème. La musique me l'a dit. Et je suis d'accord. Exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'il me titille un peu. Avez-vous une explication? Oups, l'aurais-je dû lire? Mais c'est que t'es marrant. C'est que t'es marrant. Mais lui aussi, en fait, il a tiré sur Claude. Je n'ai pas content. Et voilà. Et donc alors? Oh, on revient en première musique. C'est tellement bien! Ah, j'aime beaucoup! Et il écoute, hein. Mais. Quoi? N'importe quoi. Objection. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de parler dessus. Arrête. Ouais. Ah ben, parce qu'en plus t'as une preuve, et ben dis-le maintenant. Ça ira plus vite. Ça n'avait pas commencé? Eh ben. Alors. La suite. Ok. Ok. Oui. Oui. Ah, il a pas tort. Il a pas tort.
Ok. Quoi? Mais c'est moi qui décide. Oh. Une amende? Quoi? Mais foutez-moi la paix! Heures 10, c'est un... c'est précis quand même, mais je suis pas certain. La perfusion, oui, qui est à droite, oui. 23 h, ça faisait perfuser, ok. Le tuyau. Eh ben. D'accord. Oui. Elle est tombée avec un spar. Il y a un sparadrap qui lui colle dessus quand même. Quoi? Il y a un sparadrap à l'aiguille. Ne me fais pas croire un truc pareil. N'importe quoi. Je suis déçu. Bah quand même. C'est beau là, je ajoute ça. Nos, et beau. T'es un peu gros quand même. Le jaune. Le jaune. Mais... Non? Mais... Il y a un problème? Mais... Elle est pas jaune. Bah. Il y a un problème. Parce que elle est pas jaune. Elle est verte. Bah. Mais enfin, monsieur le juge, elle est verte. Elle est pas jaune.
Là-bas. La photo. Ah oui, le noir, le blanc, et après, il y a d'autres trucs. Bah. Non, mais... Oh bah non. Oh bah pas toi. Bah. Non, mais s'il vous plaît. Je suis pas con. Bah. C'est pas jaune. Quand même. Monsieur le juge. Monsieur le juge, monsieur les députés, madame la ministre. S'il vous plaît. Je suis pas daltonien. Ah bah là oui, un petit peu. Voilà. Regarde bien. Regarde. Ah, oui. Oui. Ah bah... Ah, on est d'accord. Il y a un problème. C'est pas jaune. Bon. Et pouf, oh, des petits lapinous. Des petits lapinous. C'est mignon. Objection. Mais je ne sais pas, votre honneur. Peut-être cela d'elle. Peut-être est-il daltonien? Ah bah non, quand même. C'est... Je suis perplexe. Objection. Comment ça? Non, la musique va péter l'émulateur. Non, arrêtez cette musique. Vert jaune. Vert jaune, ça fait moche. J'espère que vous appréciez ce moment de non-joie. Tu bloques l'air. Et ça fait du vert. Ah mais y a un problème, attends. Mais y a un problème. Attends une minute. Comment il savait que c'était jaune? Est-ce que tu viendrais pas de le vendre? Mais dis donc, dis donc, dis donc! Mais c'est un petit peu étrange! Quand même! Ah, monsieur Gavin! Mais c'est bizarre! Ah, j'aimerais une explication! Allez, on bouge son boule. Mais oui qu'il y a une raison. Il y en a qu'une seule. Allez, Virgile, dis-le-nous. Tu l'avais déjà vu. Ah, on s'enjaille. Objection. Objection.
Bien vu, merci, c'est pas mal, bien début, mais... C'est pas mal, mais non. Oh oh! Mais ce serait possible! Et pourquoi pas? Mais en fait, non. Quand même. Faut pas se foutre de moi. Bah. Mais enfin! Quand même! Le contenant, voilà la différence. Et devinez qui est le tour de magie. Et oui, c'était en effet la petite seringue. Exactement. Objection. Bah, c'est une prade. Grosse blague. Très grosse blague. Tu m'as fait rire, gamin. Pas mal. Tu me fais rire. Voilà. J'ai gagné. J'ai gagné. Je crois que j'ai gagné. Je pense. Allez. Allez, c'est fini. Allez. Objection. Comment ça? Je ne suis pas d'accord. Fichtre. Ah bon? Mais à quoi pense ce jeu? Exactement, je pense très très fort. Ok. Oui. Ah. C'est pas vrai, il a un cahier. Ok, d'accord. Oh, oh, mais enfin un truc à coller, bah non. Inutile, ok, on n'a pas besoin de cette merde. La dernière page, oh, oh. Une petite lecture, alors. La perfusion est en place, c'est peut-être la dernière, je leur laisse faire le reste. Le premier est imminent, ce journal se termine ici ou continuera. Tout dépendra de sa main, le mieux. La mienne n'a plus... Non, n'a plus qu'à passer cette plaine. Mais c'est étrange. Mais dites-moi donc... il ne manquerait-il pas une page? Et bien entendu, ça...
Mais il manque une page. C'est étrange. Mais Gavin, mais dis donc, c'est incroyable que tu aies trouvé ce journal. Non. Je ne suis pas d'accord. Monsieur le juge. En effet, mais... Oui, il est vrai. Mais... Voilà, il y a un truc qui va pas. Moi, je l'ai vu. J'aimerais présenter une pièce à conviction. Ceci est un twist. Oh là là. Nous nous sommes fait twister. Oh là là. Incroyable, n'est-il pas? Je joue la comédie. Incroyable. Ah mais... Pas du tout. Pas du tout. Ah, mais je vais vous le prouver. Ah là là, mais c'est incroyable quand même que cette preuve que je détiens dans ma main, qui est... Elle est où? Je l'ai perdue, elle est là. J'ai quand même cette page arrachée. Soit une preuve. C'est fou, ça je... Incroyable. Voilà, regarde bien ici, là, sur la droite. Là, regardez, voilà. Une fois j'étais arraché. Bah. Monsieur le juge, vous êtes aveugle. Pourquoi vous continuez? Arrêtez, prenez votre retraite. C'est un hasard rose qui me l'a donné. Ah mais je vous en prie, regardez. Attention, regardez. Hein. C'est fou ça, c'est... Bon, lui il s'en fout. Lui il stresse. Moi je suis là. Remarquez ce mort déchiré qui était là depuis un bon moment. Est-ce que c'est pas une preuve décisive? Mais... Quoi? C'est bon, t'as compris maintenant? Ou il faut que je te le répète plus près? Ah! Enfin! C'est bon? Il y a cette preuve? Ah bah... Non! Objection! Je ne suis pas d'accord. Comment ça? Pardon? Oula! Comment ça? Je n'aime pas ce qui va se passer. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Bah, je sais pas.
J'aime pas du tout ce qui va se passer. S'il l'a déchiré lui-même et qu'il l'a passé à la petite pour moi. Oh, mais quel connard. Fils de chacal. Je le savais. Oh, je reconnais cette musique. Espèce de sale petite merde. Qu'avant. Non, attends. Zachary a falsifié. Bordel de merde. C'est pas vrai. Mais quel sombre fils de... Ah non non non, eh, faute, 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 faute. Objection! Mais je l'ai présenté, donc ça veut dire que si. Exactement. Je me suis fait foncer. L'erreur. Ah bah non. Ça se tient quelque part. Une marque. Ouch. Je comprends mieux. Ça pique. Oui. Oui. Ah bah fini, hein. C'est la gamine. C'est la gamine. Punaise. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Oh là là. La vie de ma mère, si c'est toi, Gavin, je te défonce ta gueule. C'est moche. Oh, c'est très très laid.
Putain, j'ai même fait peur. Bon, voilà, c'est terminé. Là, c'est fini, hein. Oui. Oh non. Oh non, il va pas faire ça. S'il fait ça. Mais alors là. Quoi? Ah! Je l'avais pas vu! Ok, j'avoue. Je me suis dit suicide! Eh ben non! Pas mal, ok, j'avoue, c'est. C'est quelque chose. Et voilà. Et il est content. Ah, c'est laid. Mais la triste réalité est que Monsieur Wright n'a plus jamais refait de procès. Hélas. J'ai bien compris la fin. Très bien. Très très bien. Ah, c'est moche. Ah, c'est très 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 très. Oh là là là, c'est moche. Putain. Ah, je suis. Je ne savais pas que c'était cette fois. C'était évident. Je suis sûr que certains ont vu que c'était évident. Avoue qu'à un moment, je m'en suis douté. C'était tellement facile. Et en même temps, c'est comme ça, c'est les trucs les plus simples. Et on le voit dans la vraie vie aussi. Les trucs simples, c'est les trucs. On se dit, c'est trop simple, ça peut pas être ça. Et bah si. C'est moche. Donc, techniquement, on sait que le père de vérité n'est pas mort. Il s'est évaporé. Il est techniquement plus là. Mais il existe encore quelque part dans l'univers. Maintenant, la question reste en suspens. Nous savons pourquoi Monsieur Wright a été évincé des tribunaux. À cause de quoi? Comment? Pourquoi? À quoi est-ce? Mais une question reste en suspens. Qui a falsifié la preuve, l'a donné à vérité et qui me l'a donné à moi pour que je me fasse défoncer ma gueule? Si c'est gamin, je pète un câble. Ça me semble un peu trop fort. Si c'est Virgile, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Si c'est Zachary Grimoire, ce qui m'a l'air encore moins d'être le cas. Si c'est Conrad, si c'est Gavin, mais je pète ses dents. Sur ce, nous allons, je pense, revenir maintenant dans le présent. Donc 7 ans plus tard, avec notre cher ami Apollo Justice. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode qui aura fait un bon 3 quarts d'heure. Et je pense que c'est compréhensible malgré cette enquête incroyable. Comme d'habitude, de tout ce qui est like, commentaire, notification, la cloche, abonne-toi pour la suite et pour d'autres vidéos qui vont arriver, parce que je ne fais pas que du jeu vidéo. D'ailleurs, si jamais tu es intéressé, va voir sur la chaîne, il y a d'autres trucs, d'autres vidéos intéressantes. Twitter, plein de choses. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Apollo Justice Ace Attorney.